Pascal Aguillou, bonjour. Vous êtes directeur du campus de Paris d'ISG Sport, Business et Management et vous êtes ici avec nous au cœur de ce salon Studirama. Quelle importance ce genre d'événement représente-t-il pour votre école? Alors effectivement, Studirama représente un des acteurs incontournables des salons de l'éducation au sens général du terme. Et puis c'est important parce que c'est un premier contact physique. Évidemment, on est présent, site internet, Instagram, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que cet échange déjà privilégié avec des étudiants qui se cherchent, qui cherchent leur voie, c'est une première étape incontournable jusqu'à la réception sur nos campus pour vraiment prendre le temps avec eux d'aller plus loin dans les informations et dans la transmission de notre façon et notre savoir-faire. Très bien. Alors, ISG, sport, business et management, quels sont les métiers existants autour de ces trois secteurs, de ces activités? Quel métier votre école forme-t-elle? C'est vrai, parce que travailler dans le domaine du sport, ça veut tout et rien dire. Oui. On a la chance d'être dans un secteur professionnel qui est pour moi, en tout cas, à ce jour, sans limite, parce qu'en plus, le monde du sport s'est professionnalisé depuis 15-20 ans. Donc, on est sur un secteur assez jeune et on forme naturellement sur les métiers de l'événementiel, de la communication, du marketing, du sponsoring, du merchandising, de l'hospitality management. Voilà, tout ce qui fait les richesses de la pluralité des métiers dans le domaine du sport business. D'accord. Alors, on va revenir tout à l'heure sur les formations que vous proposez et qui existent plus globalement dans ce secteur. C'est un domaine, l'univers sportif, qui connaît une croissance importante en termes d'activité. Il y a des événements importants qui se profilent, les Jeux Olympiques 2024. Est-ce qu'il y a finalement du recrutement aujourd'hui dans ce secteur d'activité? Et est-ce que c'est quelque chose qui va perdurer sur le long terme? Oui, alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une grosse actualité sportive. La Coupe du Monde de rugby qu'on organise en France, les Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Effectivement, là, on est vraiment au cœur de l'actualité du sport, hein, en tout cas pour nous en français. Mais hors Jeux Olympiques, la réalité de ce secteur économique, c'est déjà un poids lourd de l'économie et de l'emploi, puisque c'est 91 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 448 000 emplois en France. Dans le monde, c'est 500 milliards. Donc, c'est plus important que le luxe, l'agroalimentaire, ce genre de choses. Pourquoi? Parce que effectivement, cet écosystème brasse une telle variété d'expertises et de métiers vers lesquels on peut se tourner. C'est ce qui fait la richesse et le côté passionnant de ce secteur. D'accord. Alors, vous formez à ce secteur au sein de votre école. Quel cursus proposez-vous? Et puis ensuite, on va aller un peu dans le détail de ces cursus. Tout d'abord, ce sont des formations Bac plus 3, Bac plus 5. Vers quel grand métier, grandes activités? Pas de problème. Alors, nous, on forme de Bac à Bac plus 5. Hors Parcoursup, un concours d'entrée, on intègre un bachelor dans un premier temps, naturellement, avec deux voies d'entrée, deux parcours, un parcours Sport Business Management et un parcours international. En plus, on a la chance d'être partenaire officiel de la NBA, donc qui vient renforcer cet aspect et cette ouverture à l'international qu'a déjà l'ISG depuis 57 ans maintenant, puisque c'est l'ADN de l'ISG, c'est International Business School, c'est quand même l'Institut supérieur de gestion, donc c'est vrai que le business est au cœur de nos formations pendant ces trois années de bachelor. Je pourrais résumer ça, le business au service de l'événementiel, de la communication, du marketing et de toutes ces expertises qu'on poursuit après en MBA, en alternance sur 2 ans, avec trois MBA évidemment en lien avec l'employabilité dans ce secteur, l'événementiel, la communication, le marketing et le business management. De quoi sont faits les cursus? Ce sont des cours théoriques, des stages, des séjours à l'international, je suppose. Vous avez évoqué la NBA par exemple. Comment est-ce que, si on doit décrire un petit peu ce qui attend les étudiants? Alors, encore une fois, la première année, c'est vraiment la dimension commerciale, la découverte de la notion d'entreprise dans son organisation RH. Toutes les entreprises ont quelque chose à commercialiser, que ce soit des services ou des produits. Donc, ça veut dire une organisation, ça veut dire un storytelling pour pouvoir mettre en avant effectivement ce qu'on commercialise. C'est aussi une cible, une concurrence, un marché. Donc c'est toute cette dimension clientèle que nos étudiants rencontrent et découvrent en première année, avec évidemment une grosse orientation sur l'histoire et la culture du sport, l'organisation du sport en France et à l'international. Deuxième année, nos étudiants découvrent un certain nombre d'expertises qu'ils vont choisir et poursuivre en troisième année pour naturellement
décliner et toutes ces expertises à travers un MBA, encore une fois, événementiel, communication, marketing, business development. Et donc, on passe avec un... on a la chance de passer sur de la théorie à la pratique très rapidement parce qu'on croit vraiment à la formation par la production. J'apprends quelque chose tout de suite, je fais quelque chose avec ce que je viens d'apprendre. Donc, ça passe par un recrutement très important des intervenants que nous avons. Ce n'est pas des professeurs, c'est des intervenants qui sont par définition en activité. Donc, ils ont leurs agences, ils travaillent pour des marques, pour des clubs, des fédérations, des agences, encore une fois, d'événementiels, de relations publiques, relations presse, d'agences de communication. Et ils viennent transmettre un métier à travers des modules, et ça sur les 3 années D'accord. de bachelor. Une vraie proximité avec les entreprises par ces intervenants et par l'alternance. Si je devais résumer notre école, on fonctionne vraiment en mode entreprise, un peu comme une start-up dans l'esprit. Nos étudiants sont des jeunes adultes, hein, mais c'est déjà pour nous des professionnels en devenir. Et on fonctionne vraiment avec un rapport très concret. C'est-à-dire qu'ils sont tout de suite mis à travers nos partenariats. J'ai cité la NBA, mais je pourrais citer le Paris Volley, le Paris Basketball, Match for Green sur la dimension RSE. Mm-hmm. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre nos étudiants au cœur des problématiques du sport business, que ce soit à travers un club, une agence sur, en fonction de ses expertises qui leur sont propres. Voilà, c'est vraiment travailler avec nos étudiants qui sont eux-mêmes en train d'apprendre. Donc, c'est vraiment la formation par la production. Et si je devais résumer l'ADN de l'école, c'est qu'on forme des experts généralistes. Mm-hmm. Ça peut paraître antinomique. Ils ont évidemment cette partie expert parce qu'ils ont une bonne connaissance de ce secteur du sport business qui a ses codes, sa culture, ses spécificités. Mais en même temps, comme on les forme au fondamental, on les forme aussi vers des métiers. Mm-hmm. Les métiers de la communication, de l'événementiel, du marketing et du business développement. Voilà. Donc, ça ouvre le champ des possibles, à la fois le sport business et à la fois la découverte progressive vers des métiers. Donc, ça veut dire qu'en gros, les 3 années de bachelor, c'est une découverte sectorielle. Mm-hmm. Et les 2 années MBA, ce sont des découvertes métiers. Ouais. Mais métiers avec un S. Donc, encore une fois, les métiers de l'événementiel, de la communication et du business et du marketing. Voilà. D'accord. Un point sur les admissions. Oui. Donc, vous avez évoqué, c'est hors Parcoursup. Est-ce qu'il y a un concours d'entrée? Est-ce qu'il y a des entretiens? Et quelles qualités cherchez-vous chez vos candidats? Alors, la première qualité, c'est d'avoir le bac. A priori, voilà, j'ai le bac. Je me positionne sur un concours qui est différent, évidemment, en fonction du parcours qu'on choisit, sport, business ou international. Ensuite, j'intègre l'école. Et là, bah, c'est parti pour 3-5 belles années de formation et de découverte déjà de soi-même. Ouais. Parce qu'effectivement, à la première des qualités, j'ai envie de parler de passion parce que, en gros, j'ai 2 types d'étudiants. Des étudiants qui, effectivement, ont une passion du sport en général par la pratique sportive, qui font, quelles que soient les disciplines, et qui se disent, bah, tiens, je vais essayer de trouver mon chemin dans cet écosystème. Ou alors, j'ai des étudiants qui ne font pas forcément de sport, même si, effectivement, il faut faire du sport. Le sport, c'est la santé, c'est le bien-être, c'est une cause nationale, c'est inscrit déjà... Ouais. Dans le cursus qu'on connaît tous depuis la maternelle, hein, on fait de l'EPS, voilà. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis, en plus, c'est une cause de santé publique. Mais au-delà de ça, j'ai des étudiants qui ne sont pas forcément sportifs, mais qui sont passionnés justement par les métiers de l'événementiel, de la communication, tous ces métiers dont on a parlé, et qui se disent, bah, tiens, c'est quand même un peu plus sympa de le faire dans cet écosystème que dans un autre secteur. Voilà. Et évidemment, les qualités qu'on va chercher et qu'on développe avec nos étudiants, c'est un peu les valeurs du sport, hein, c'est l'abnégation, le dépassement de soi, le goût de l'effort, et puis après, évidemment, les notions d'équipe, de savoir travailler en équipe, la solidarité, le fair play aussi, mm-hmm. et qui sont, pour moi, en tout cas, à la fois des valeurs, effectivement, sportives, mais des valeurs universelles, citoyennes, et très importantes pour, après, s'épanouir professionnellement au sein d'une entreprise. Parfait. Monsieur Aguillou, merci beaucoup pour ces explications. Et très bon salon à vous. Merci.